can fight our desires. But when we stop making fires. Salut à tous, c'est Red Killers. Nouvelle vidéo de setup drift sur le circuit de Twin Moteji au Japon pour la Nissan Silvio S13 KSDO Selection. Alors, on va passer tout de suite au réglage de la voiture. Alors, comme d'habitude, les conforts durs, suspension, on vous achetez les kits de frein 10-3 comme d'habitude, garde au sol 92-82, amortissement 11,7, 3,15, amortissement compression extension barre anti-roulis comme d'habitude 8-7-7, 7-6-7, angle de carrossage 6,2 à l'avant, 6,7 à l'arrière, alignement moins 0,95 à l'avant, plus 0,95 à l'arrière, boîte de vitesse 310, vitesse finale 5,5, transmission tout à 60, tous les kits achetés, puissance moteur tout à fond, carrosserie aéro, pas d'appui, réduction du poids standard, capot carbone, fenêtre réduite au poids minimum, 200 kg sur l'arrière. Alors on va passer tout de suite à la rediffusion. Un circuit très bon aussi pour le drift, peu utilisé en session, moi je trouve très très bon. Voilà. Voiture de couleur blanc mat avec les jantes jaune vert raise. Voiture très bonne pour le drift, beaucoup utilisée en ligne. Voiture très basse, piquée sur l'avant comme d'habitude. Voiture qui dérape très facilement, très maniable, très légère malgré le poids sur que j'ai rajouté, assez courte en empattement, voiture très simple pour le drift, c'est pour ça qu'elle est beaucoup utilisée. Moi aussi sont fans de cette voiture, beaucoup de fans de cette voiture, des Silvio S13, S15 et S16. Ça coûte très plat, peu de montée. Vraiment très plat, vraiment bon pour le drift. À 90 degrés là, 360, bien genre 180 degrés, voilà, sur la ligne droite descente du petit circuit, bien genre descente là, une grosse descente. Sous le pont. Et on va revenir à la ligne droite d'estrade. Et les trois derniers virages. Prendre très large ici. Petit S. Pour la ligne droite d'estrade. Voilà. La
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à me demander des voitures en setup. Il n'y a pas de souci en commentaire. N'hésitez pas aussi à aller sur ma page Facebook Mugen Red Killer, Mugen Project Red Killer 5977. À la prochaine.